Yon gros bonsoir pour nous toutes. Non pas M. Yvenson Frank, moi content de rejoindre nous pour présenter toute nouvelle journée sous TNH. Rapidement, mes grands titres. Président Sénat Joseph Lambert et président Chambre député Gary Baudot recevoir mercredi 14 novembre ambassadeur américain en Haïti Michel Jeanne Cizon sur plusieurs points qui concernaient relations de pays. Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie OCID présenté mercredi 14 novembre dans Pétionville bilan diverses réalisations parlement haïtien pendant deux sessions ordinaires année législative 2018 là. Direction départementale l'Ouest travaux publics mobilisés plusieurs matériels cap travail la journée coule la nuit dans l'idée pour finir à construction route Malpasse fonds parisien qui commençait depuis des mois. C'est 9,7 km route qui gagne pour construire dans le cadre caravane changement. Institut haïtien statistique et informatique yo à Paris pour réaliser 5e recensement général population à Kayamoun Rété d'après responsable IHSIO activité ça de fait dans premier trimestre année 2019 là. Toujours dans l'actualité à commission affaires étrangères chambre députée à Chita Palais mercredi 14 novembre non avec ministre affaires étrangères à Bouchit Edmond dossier réforme à quantité moun cap travail dans mission diplomatique yo c'est quelques points qui était dans mi-temps rencontre là c'est ensemble point nous bral développer pour un petit moment rete branché n'aptonne. N'a pas entré d'emblée dans l'actualité à Jean-Noël Dédouline Antitio, président Sénat Joseph Lambert, avec président en chambre député à Gary Baudot, recevoir mercredi 14 novembre l'an, ambassadeur américain en Haïti, Michel Jeanne Cizon, d'après président Sénat, deux présidents ont été pour rencontrer tout ancien ambassadeur américain Kenneth Merton, qui est coordonnateur spécial sous dossier Haïti pour États-Unis. Mais rencontre l'an, pas arrivé. Fait, sénateur Joseph Lambert et dans le micro, Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Normalement, nous étions supposés rencontrer avec Kenneth Merton qui était gagné en visite pour le terrain. Nous, étant donné que c'est jeudi, on était programmé, mais l'ambassadeur américain fait le devoir quand même pour les venir et annoncer non que Kenneth Merton a contre temps et dans le début du mois décembre, là, en Haïti, on a eu l'occasion de rencontrer. Mais nous parlons de tout ensemble, ben, nous parlons des grands dossiers. Nous parlons d'élections, nous parlons de loi électorale, nous parlons de budget, nous parlons de situation d'insécurité, nous parlons de tout un ensemble de détails. Commission Affaires étrangères, Chambre députée, Chita Palais, mercredi 14 novembre, avec ministre Affaires étrangères, Bouchit Edmond. Dossier réforme à quantité monde, cap travail dans la mission diplomatique, c'est quelques points qui étaient dans mi-temps rencontre là. Président Commission en député, Jean-Michel Moïse, encouragé ministre là, agit vite sous situation diverses compatriotes haïtiens, cap vivent, non. Plusieurs pays ont extrait dans micro Fedner, confident à Moïse Wilbridge. Gouvernement en place là a déclenché une réforme sur la diplomatie que nous connaissons qui vraiment qui a mal marché. Côté que des mouns qui n'ont pas de qualité ni expérience, et puis c'est eux qui sont responsables de construire la nous, responsables d'ambassade, de nos dans tout poste, et puis en pile influence politique, les amis, etc. Nous avons besoin qu'on exactement dans quel niveau et que la réforme ça a et exactement qui point dans la réforme dans qui côté avec lui. Nombre de monde, parce qu'il a révoqué un peu le monde, il a rappelé un peu le monde dans la diplomatie, nous avons besoin qu'on exactement combien de monde qui rappelé et combien de monde qui nommé fraîchement et mouvement personnel dans différents missions diplomatiques. L'autre bagaille qui est. Quelle est la nous sur ça? Qui point exactement? Combien de monde nous rappelé, combien de monde nous. Alors, ça qui passe, le ministre dit moi que la banque de documents pas écrit, il n'y a pas de chiffre exactement parce qu'elle pas bien. Il était supposé porter document ça et là, ponctuellement la communiquer. Non? Et aussitôt que nous gagnons document ça, n'a pas communiqué à la presse. L'autre bagage, il était remarqué tout pendant différents
délégation nous fait pour aller inspecter poste consulaire nous et ambassade nous joindre qu'il y a un paquet de problèmes sur question et recruter sur place et qui toujours plus large que le nombre de monde que le ministère a envoyé pour, en mission pour représenter l'intérêt Haïti et pour servir les ressortissants. Et nous avons besoin de questionner le ministre sur ce problème ça et nous demander le tout pour réformer ça. Parce que il y a des cas côté que l'État haïtien a une charge sociale dans le pays étranger. Nous avons besoin de résoudre le problème ça. Et surtout, les gens n'ont pas souvent des qualifications, des compétences pour faire genre de travail diplomatique qu'il y a à faire. Ministre Affaires étrangères Bouchit Edmond dit depuis les rivés dans tête ministère par rapport à quantité d'expérience, les gagnants dans le système non, gagnant pile réforme qui était commencé faite dans la diplomatie, la continue concernant un cas compatriote New York qui dans le pays Chili qui était manifesté semaine passée pour exiger pour autorité haïtienne bah, au papier. Ministre Bouchit Edmond dit direction centrale police et judiciaire déjà traité plus passé 40 000 cas en vente. Longtemps, dossier Sayo a transféré Chili pour distribuer les compatriotes nous. Il y a un extrait dans le micro Fedner, confident avec Moïse Wilbridge. De répondre à l'invitation de la Commission des Affaires étrangères pour me répondre à certaines préoccupations que j'ai, notamment sur la question de retard d'un passeport en République dominicaine et surtout le problème qui était posé avec certaines accusations qui étaient parlées de passeport aux étrangers. Et je pense que je devais pour me déclarer qui ça avec eux. Et ensuite, je posais des questions sur le processus de réforme au ministère, que y a un processus qui était commencé bien avant de venir, que ma c'est reviser et évaluer. Parce qu'actuellement, là, nous avons l'ONRH qui est le ministère là, qui a fait évaluation des fonctionnaires du ministère. M'oblige de tenir à partir de là, nous-mêmes, pour nous connaître comment on a avancé avec la réforme de l'acte continué. Et nous avons parlé autour d'une diplomatie qui est beaucoup, une diplomatie beaucoup plus dynamique. Une diplomatie qui parle au service du développement. Et pour nous sortir de l'humanitaire, de l'assistance humanitaire au développement. Et pour cela, nous sommes obligés d'avoir des missions diplomatiques qui sont proactives, qui sont dynamiques, qui ont des ressources qualifiées. Et pour nous, au moins, avec un objectif, pour nous réduire le personnel pléthorique. Parce que nous n'avons pas pensé que c'est normal. Pour 2018, nous avons des missions diplomatiques et consulaires qui remplissent avec le monde, mais en termes de résultats, ou pas. Et ça veut dire que si nous avons besoin de résultats, il faut nous avoir des personnels qualifiés, des ressources humaines qualifiées et qui vont au service de cette diplomatie, de cette vision que nous voulons atterrir, qui sont une diplomatie de sens, une diplomatie de dividende, c'est-à-dire qui ont une diplomatie qui est à la recherche d'investisseurs étrangers pour qu'ils contribuent au développement économique d'Haïti pour la création de la richesse. Il y a un document autorité chilienne demandé, c'est casier judiciaire ça que DCPJ offre. Les maps gardent des rapports DCPJ pour quantité de documents retraités, ils allaient déjà, mais ils prennent un petit temps pour y retraiter. Parce qu'on a parlé de casier judiciaire, les documents que DCPJ va aller mettre pour rassurer que Mounsa qui fait demande là, c'est pas un monde qui est déjà en contravention avec la justice. Pour au moins ça va jouer tout dans la crédibilité de la DCPJ. Parce qu'il n'y a pas qu'à bailler un document à un monde soit qui est recherché par la justice, s'il n'a pas pris le temps pour faire recherche ça. Et là, je regarde des rapports de DCPJ, moi j'ai plus de 40 000 documents déjà traités, déjà qu'à aller recherche. C'est-à-dire qu'il prend du temps, il va prendre un petit temps dans le processus là, mais on a demandé beaucoup plus de patience. Et à partir de là, pour permettre au moins de jouer un document ça. Oui, nous, c'est vraiment regrettable. À chaque fois, nous jouons des citoyens haïtiens qui sont obligés de faire une manifestation pour un document au besoin. Et c'est malheureux. Et nous avons fait tout effort possible pour nous essayer de résoudre. Et nous avons dit que le CPJ travaille de manière inlassable pour le produit document ça. L'autre nouvelle, Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie au CID, présenté mercredi 14 novembre l'an dans Pétionville, bilan diverses réalisations en parlement haïtien pendant des sessions ordinaires année législative 2018 là. Selon bilan ça, Sénat République là a réalisé seulement 32 séances, Chambre députée à Bocoté Pal réalisé 34 séances pendant des sessions l'année législative en cours. En suivre, yon extrait dans micro Lunel Jean-Louis avec Hervé Pierre. Premier, ça nous constate, Parlement a dû gagner chaque mois pour pipiti 12 séances.
plénière. Ça nous les séances plénières, c'est lorsque vous réunis en assemblée, soit dans la chambre députée, soit dans le Sénat, pour que vous preniez de grandes décisions, voter loi, voter accord, prendre des résolutions, etc. Maintenant, sous 12 séances plénières par mois, ça bat ou pour année de session, yo, ça a le bat ou environ en moyenne 80 séances pour année. Eh bien, qui ça nous joigne? Dans le Sénat, yo te gagne seulement 32 séances, ou t'as dit 32 sur 80. Et dans la Chambre députée, on a gagné seulement 34 séances plénières pendant l'année législative. Et nous même constaté que il y a des mois où c'est une seule séance qui gagne, soit dans la Chambre députée, soit dans le Sénat. C'était le cas au Sénat pour moi août à mois septembre, il y a une séance en août, il y a une séance en septembre. C'était le cas pour la Chambre des députés pour les mois de juin et de septembre. Il y a une seule séance en juin, il y a une seule séance en septembre. Nous estimons que c'est une situation qui pas acceptable. Nous suivons aussi l'autre instance à part séance plénière. Yo, gagné, ça a été la conférence des présidents, qui sont instances décisionnelles importantes au niveau de tout de chambre. Yo. Qui est un président de commission permanente, yo, président bureau Sénat, bureau chambre députée. Maintenant, conférence des présidents, l'y réalisé 10 séances seulement au niveau de la chambre des députés et 6 séances seulement au niveau du Sénat pour l'année. Nous suivons également travail commission permanente. Yo. Il y a 17 commissions permanentes au niveau de la chambre des députés et nous recensons 45 rencontre de travail au niveau du Sénat, excusez-nous, 45 séances de travail que 17 commissions permanentes arrivent réaliser pour l'année dans le Sénat. Dans la Chambre des députés, que situation est déjà inquiétante pour ce qui concerne le fonctionnement des commissions, parce que sous 20 commissions permanentes qui gagnent dans la Chambre des députés, c'est seulement 8 qui arrivent à faire au moins une séance de travail pendant l'année et législative, non? Yon l'autre bord, directeur exécutif initiative société civile la Ronnie Desroches dit lui souhaiter parlementaire soigner image en vain population hein. Responsable aussi de l'amende tout pour parlementaire gagnant plus bon et stratégie communication. Ronnie Desroches continue pour lui mander parlementaire améliorer relation yo à collectivité ya et puis organisation dans société civile là. En écouter plus explication Namiko Lunel Jean-Louis ak Hervé Pierre. À la fin du mois de mai jusqu'à 5 juin, nous te faisons enquête. Nous faisons enquête par téléphone. Nous te gagnons une liste de numéros de téléphone qui étaient constitués de façon aléatoire. Et yon numéro de ensemble de numéros de téléphone qui couvrit les 10 départements géographiques. Et enquêteurs, nous avons près de 24 enquêteurs qui t'es fait plus de 3362 appels. Et dans 3362 appels, yo mandé moun yo, est-ce que yo d'accord pour répondre à un questionnaire concernant les parlementaires. Et nous t'es gagné 906 moun que yo t'es joindre, qui t'es répondre, qui t'es répondre entièrement à questionnaire là. Là nous en face, yo un constat, nous capable dire qui assez désolant. Eh bien, nous-mêmes, nous aussi nous faire un certain nombre de recommandations à parlementaires. Parce que nous avons souhaité que parlementaires aient amélioré l'image et augmenté, n'est-ce pas, élevé tête dans l'opinion publique. Là. Premièrement, nous pensons que nous avons gagné une meilleure stratégie de communication avec la population. Deuxièmement, il faut que Yota intensifie les relations avec les organisations de la société civile. Que bureau que vous gagnez et que l'État paye pour vous dans la circonscription, dans le département, que bureau ça vient un bureau dynamique, côté mon apprenti sorti, mon avis parler, mon avis exprimer, présenter doléances ou demandes. Ensuite, nous avons souhaité que vous ayez un programme d'éducation par rapport à la population pour dire qui relie exactement et fait preuve de plus de transparence.
National Democratic Institute organisé plusieurs sessions de travail avec 12 magistrats principaux et puis magistrats adjoints dans l'idée pour renforcer connaissance et capacité pour analyser budget étatique. La session de travail ça visait tout sensibiliser à consulter population sous besoin et puis travail sous projet pour faciliter développement rivé dans commune yo. Stéphanie Charles avec Michel Joseph a présenté nous un reportage. Activité ça qui baptisé en appuyer magistrat nou yo a permettre 12 maires yo sensibiliser communauté nationale et internationale là sous défi et les locaux yo a fait face depuis là yo rentré en fonction. Bilan travail yo ak perspective pour moitié mandat yo, c'est quelques parmi points qui étaient abordés d'après directrice NDI Haïti Marie-Ève Bilodeau. Dans le cadre des dernières semaines et des derniers mois, ce qu'on a fait particulièrement avec elle, c'est de les accompagner dans le cadre de la tenue d'activités de consultation publique dans leur commune respective pour les aider à vraiment aller vers leurs citoyens, de regarder un petit peu, de faire un bilan de mi-mandat, voir où est-ce qu'elles en sont, qu'est-ce qu'elles ont réussi à compléter, qu'est-ce qu'elles ont réussi à faire, quels sont les défis auxquels elles se butent et de voir avec leurs citoyens quelles sont les priorités, quelles sont les ambitions de leurs citoyens pour voir la dernière portion du mandat actuel et être en mesure de développer, de développer encore davantage sur ces priorités-là. Construction marché communal, route, centre culturel à Clecti, l'école communale, deux trois pour machinio, de l'eau potable, c'est ensemble projet, priorité magistrale pour communio. Ça qui d'après eux-mêmes a aidé la population à vivre plus bien. Lasca au bas, à part de tout l'autre besoin que nous gagnons, mais le travail que nous avons fait avec la population, surtout dans la section communale, nous avons ciblé avec eux trois projets prioritaires. Qui, premièrement, qui c'est un marché communal. Nous avons un deuxième projet tout prioritaire pour nous, qui c'est tronçon routier, qui sortit dans le centre-ville pour aller dans la section. Côté jusqu'à présent, le lapis tombé, machine pas qu'à rentrer, moto pas qu'à rentrer, accident dans les paysans, à gaspiller, yo pas qu'à transporter yo pas au prince, yo pas qu'à venir avec yo dans le centre-ville, yo pas capable de régler rien. Nous avons un problème système d'adduction d'eau potable. Côté moun yo obligé parcourir plusieurs kilomètres. Puis elle prend de l'eau et de l'eau elle prend, elle n'est pas potable. Nous avons trois projets priorités pour la communauté noire. Trois projets, c'est qui ça? Nous avons construction route du premier section, rivée troisième section, la section communale. Et nous avons un marché public au niveau deuxième section, qui c'est marché du 6, qui présentait bête de bétail. Ça, c'est important pour nous en tant que communauté. Et troisième, c'est un abri communauté. Trois projets, c'est finalisation gaout. Que nous commençons déjà qui pour finir. Deuxième projet nous gagne, c'est construction d'un centre culturel et de lecture pour population spécialement pour jeunes. Et troisième projet que nous gagnons, c'est construction d'un dortoir communal pour marchands qui a exploité marché, qui a fréquenté marché à carrière. Projet gabionnal, gabionnage et rivière Fonvert là. Deuxième projet, nous gagnons construction marché public Forêt des Paix. Forêt des Paix, je samedi, nous recevrons plus de 1800 marchands. Troisième projet, c'est un projet reboisement. Parce que si nous parlons de gabionnage, nous ne parlons pas de reboisement, c'est comme si c'est laver monsieur à terre. Parce que il faut que bon travail qui fait en aval dans Fonds Verrette. Le marché central qu'on n'a pas. Pas de marché dans le centre-ville, un bloc sanitaire, construction d'écoles communautaires depuis 28 ans qui est existé, on n'a pas de local encore. Les enfants sont obligés de loger avec les élèves du lycée. Pendant le mois d'octobre qui s'est passé là, dans tête collée avec NDI Haïti, magistrats ont mené plusieurs actions, bon côté citoyen dans la commune, dans l'idée pour étendre ensemble les revendications. Après Chita Palais, ça y a un atelier travail ça, magistrats promettent qu'ils partagent avec les représentants exécutifs là, parlementaires et puis représentants partis politiques, le constat et résultat exercice ça sous priorité pour la municipalité. Dans le cadre du programme Caravane Changement, le ministère des Travaux publics a démarré depuis des mois travail construction route Malpass avec fonds parisiens. Direction départementale Ouest Travaux publics mobilisé plusieurs matériels qui travaillent la journée pour la nuit dans l'idée pour finir la construction. Ça, directeur départemental Ouest TPTCA Andy Jean-Louis expliquait que c'est 9,7 km route sorti Malpass pour arriver Gantier. Il y a fait un extrait dans le micro Saint-Croix-Paquis avec Wilson
Doré. Gavane a marché très bien, pas extrêmement bien, mais très très bien dans le département. Parce que vous êtes capable de remarquer hier soir, nous étions mal passés. Il était minuit, nous avons passé le premier camion à OBA. On a passé 14 camions qui nous finissent vers 5h du matin. Parce qu'on est mal passé, son côté qui est difficile. Ces frontières-là, relations qui sont en Haïti, en République dominicaine, toutes transactions commerciales qui sont faites dans la zone, ça fait que nous ne pouvons pas travailler n'importe qui l'est et n'importe qui joue. Donc, mal passé, là, c'est un chantier qui est d'extrêmement importance. C'est à l'aide d'une visite que je vais faire avec le ministre de la République, l'ingénieur Fritz Tayo, avec le directeur général Max-André Villemar, l'ennemi de l'État, l'État, zone. On a ministre a décidé que rapidement faut que nous commencions et travailler. Mais nous avons 2 mois depuis nous commencer à travailler mal passé. À cause de la claque qui a remonté à chaque fois, nous sommes obligés de faire des traitements spéciaux. Par exemple, nous sommes surélevés ou là. Si tu as passé dans la République dominicaine, nous parlons de Jumani, nous préparons bien bas. Et nous-mêmes, vu que le problème environnement nous est dans la zone, nous décidons que nous ne pouvons pas mettre pas nous à la même hauteur que nous, nous surélevons pas nous. Or, imaginons, nous faisons près de 5 km après profiler là. Et de côté, nous surélevons route là n'importe 2,50 m. Il y a des jours qu'on a allé, nous avons 5 camions, chaque camion a 23 voyages remblés. Et le fait que si nous avons remblés à pas loin, et donc ce sont des travaux extrêmement importants. Et difficile tout parce que là, on fait 2 mois, c'est 2 mois de faire sans camper. Donc, nous avons reprofilé 5 km déjà, bien que c'est 9,7 km nous pour nous faire 2 mal-passes pour arriver à fond parisien, pour en fait quitter parisien pour aller sur Gantier côté. Pour le premier travail que tu as fait sur le président Matéli, tu es arrivé à 9,7 km. Donc nous avons profilé 5 km déjà. Et nous avons mis en actuellement, comme tu es capable de le soir, tout le temps, minuit, 1h du matin, où tu es là, où tu as filmé pour nous, où tu as accompagné nous, nous avons mis en obé sur lui. Travail infrastructure avancé dans la ville Jérémy, plusieurs zones en cité Poetio, Kankou, Karakoli, les gagnants déjà bénéficié travail infrastructure dans le cadre de caravane changement. Lunel Jean-Louis avec Hervé Pierre a présenté un compte rendu. Élargissement, terrassement, trottoir, imprégnation, ces diverses phases plusieurs rues dans la ville Jérémy déjà subies dans le cadre de travail infrastructure routière qu'a fait dans la ville Sahara. Citoyens remercient l'administration Moïse et le gouvernement Seyan pour le travail sa yo. Pendant qu'ils ont encouragé le finissement de travail, et puis demandé aux autorités concernées de continuer avec le programme social qui visait à améliorer chaque jour les conditions de la vie de la population. L'équipe qui travaille président, y compris le président, nous félicitons pour ça à faire. Mais demander tout plus volonté. Nous tout profiter d'appel ça pour demander une route pour faire Jérémy à l'abricot. C'est route ça qui va aider le département l'an va manger, va donc plus manger qu'après le département. Nous pas un mot pour nous remercier le gouvernement pour ça le faire pour nous. Parce que longtemps les n'a monté là, sont corvées. Moi même machine me gagner les en bam de qu'on quitter. Et qu'on y a grâce à travail ça, nous monter à l'aise. Nous descendons à l'aise et nous disons qu'il n'y a pas la guerre. Et pas quitter l'intimidation, changer lui pour ne pas faire ça l'affaire. Parce que le peuple est avec lui. Le monde est avec lui. Avec lui. Le travail qu'a fait là bien bon parce que nous n'avons pas de route. Nous avons une route et nous avons fait de temps en temps pour faire un petit bout de béton. Quand nous avons premièrement, ils sont venus le craser. Nous avons 5 petits bouts de béton. Ils sont venus le craser. Ils sont venus le craser. Tout le monde a une bonne qualité. Ils ont un bout dans chaque caille. Après ça, ils ont quitté la route. Ils ne sont pas faire là. Quand nous avons pas de bout de béton, c'est un bout de béton. Si nous avons dit que nous avons mis la route là, nous sommes très fiers. Pour là, pendant là, on met 0,40, on met passé l'huile. Quand c'est l'alpha là, nous était. Et me sentis très fier parce que nous venons de route, quand nous pas de route, nous gagnons route. Pour moi-même, le travail qu'a fait là, c'est un bel travail. Et sauf que moi, j'ai essayé de commencer, moi, j'ai pas fini. Alors, bah, fin qu'on est pour qui ça, au moins, j'ai pas fini. Mais moi, dans toute zone et la ville là, j'ai fait tout droit, j'ai. Et puis, ils ont mis l'asphalte, ils ont mis 0,40 dans la route. Ils ont mis l'huile, ça sont une belle initiative qui est moins liée. Nous vraiment contents, nous-mêmes, Karakoli, parce que pour le bel travail, ça a fait non, sous gouvernement, parce que nous n'avons pas de route boys dans même. Parce que les gens, c'est un problème. Actuellement, là, même qu'ils ne peuvent pas finir net,
mais nous sentons satisfaits. Nous même dans la zone, jeune zone, ni grand monde dans la zone autour. Et nous après remercier le gouvernement pour le bel travail. Caracoli, Risterlin François, Docteur Raphaël, Rile Gagné avec Boiron Tonnerre, c'est quelques parmi plus passés une vingtaine d'autres qui déjà subi gros travail dans quatre caravanes changement. Nous allons prendre une pause tout court, restez branchés, Naptoné. Actualité à poursuivre, mercredi 14 novembre, l'an, marqué deuxième journée activité avocat sans frontières Canada réalisée sous phénomène corruption. En occasion deuxième journée ça, responsable yo, ensemble avec Barreau Port-au-Prince, réalisé une séance formation pour avocats et juges qui sont dans plusieurs juridictions dans le pays. Qui sa corruption aille, qui mesi qui de prend pour freiner phénomène ça, c'est quelques thèmes intervenants yo, traités dans le cadre de formation. Ça en suivi un papier Rodney d'Orléans avec Hervé Pierre. Dans l'occasion de lancement activité ça, mardi 13 novembre 2018 là, organisation ensemble contre corruption ECC avec plusieurs autres organisations dans la société civile là, t'a organisé un atelier échange sous thème qui kembe pour 4 jours événement ça qui c'est quels sont les leviers pour lutter contre la corruption. Environ une trentaine d'avocats et magistrats qui sont dans diverses juridictions dans le pays a participé dans une série de formations Avocats sans frontières Canada en collaboration avec Barreau Port-au-Prince réalisée mercredi 14 novembre pour marquer deuxième journée d'activité. D'après le responsable ASFCO, série de formations rentrée dans le cadre projet organisation Mété Campé qui baptisé Accès à la justice et puis bataille contre l'impunité dans le pays d'Haïti. Projet ça qui démarré dans l'année 2017, cap bout dans l'année 2022 cap vini là, visé faire promotion pour droit moun et puis renforcer capacité acteur qui dans système judiciaire dans pays a. L'autre dossier, parti Révolution sociale célébré mercredi 14 novembre 2018 là, 12e année existence li, dans l'occasion secrétaire général PRSOA Jean-Reynold Pierre a profité exprimer position là sous conjoncture politique PIA et souhaité continuer supporter gouvernement dans démarche qu'a fait pour améliorer conditions la vie population. Yon extrait dans micro Elisa Kolo ak Frenel Toussaint. Est-ce trop demandé justice pour le peuple d'Haïti? Est-ce trop demandé l'école, instruction, éducation pour Timounio? Est-ce trop demandé du pain pour les enfants? Et c'est à ce sujet Nabdi, qu'il fait mal de penser que ceux qui ont à manger s'assèchent sur le ventre des autres pour toujours manger. Qu'il fait mal de penser que le pain que l'on mange est chimère pour beaucoup d'autres. Et qu'il fait mal de penser que ceux qui n'ont rien, depuis 1804 jusqu'à nos jours, se mettent à genoux pour attendre la mort. Dossier Peto Kaibea, il faut l'aboutir. Et il faut peuple veillatif pour ne pas avoir le même coup que le peuple les un procès de consolidation sous nos Alexis. Grand pour la défense des intérêts de la nation haïtienne, en tête collée à plusieurs autres organisations politiques condamnées. Action qui déposée samedi 10 novembre l'an sous place Vertière. Président Guédine Lan, Frenel Baptiste, croyait l'important pour tout acte dans l'appareil justice là, t'a mis tête ensemble pour prendre bon Jean Mézi pour empêcher Zach Sayo répéter dans le pays. Frenel Baptiste a porté plus d'explications dans le micro Midré Emilias avec Moïse Wilbridge. Politique. Grand fond pour la défense des intérêts de la nation haïtienne. Qui vient là dans plusieurs organisations et partis politiques, tels que le Parti Socialiste Haïtien, PSH, Union des Jeunes du Bel Air, Union des Jeunes de Matisan et Union des Paysans de Marniche. Vous ne citez que cela. A condamné à toute force un acte malhonnête que soi-disant opposition démocratique à secteur populaire à faire à travers la République. Côté que ordonné, brûler tracteur, brûler business, tout que Timoun l'école pour aller gratuitement que président Joseph Michel Madridi te mette en de pays et que gouvernement Moïse continue avec lui.
pour des petits gens qui aller à l'école gratis, ça n'a pas besoin de payer un goutte. Plusieurs citoyens participent à la réaction sous Zak qui passait dans le département de PIA et spécialement dans Vertière. Côté un groupe individu monté drapeau noir et rouge, comment citoyens comprennent ce qui passait, qui conséquence ça a gagné sur l'avenir PIA. Lunel Jean-Louis et Hervé Pierre a présenté un compte-rendu. Citoyens qui vivent dans la zone métropolitaine continuent à réagir sur l'action qui était passée dans Vertière samedi qui était 10 novembre passé. Si pour quelques citoyens, ça a eu action qui passait à qualifier pour fan, pour certains lots, c'est une action politique que le monde a eu posé. Nous avons un drapeau, nous rejetons. Moïse, à l'époque, c'est Moïse qui rejetait tout, et sous Duvalier. Mais je dis à tout, Moïse n'a pas campé pour venir descendre le drapeau. Nous avons qui est sénateur de nos pays, l'oblige qui prêtait seulement, sous le drapeau, qu'on a retiré le drapeau. Li mette drapeau pali. Après une vidéo amateur publiée sur YouTube montrer ce qui passait Vertière, des bayons passés span agités dans les médias traditionnels, tant qu'aux réseaux sociaux. Il y a un autre quelques citoyens qui a réagi, demandé la justice mette action publique en mouvement contre tout le monde qui a participé dans ce qui passait, d'après yo, qui pas conforme à la loi. Citoyens a déclaré tout, il faut qu'il y ait un dialogue national dans tout secteur dans la vie nationale là, pour éviter le pays à tomber dans la crise. L'autre nouvelle dans le journal là, Institut haïtien statistique et informatique a paré pour réaliser 5e recensement général population à Kaimoun Rété. D'après responsable IHSIO, activité ça doit faite dans le premier trimestre année 2019 là, dans l'idée pour permettre à la population à gain plus données sous 5e recensement. Une équipe télévision nationale rencontrée mercredi 14 novembre là, directeur enquête nationale à 5e recensement. Daniel Milbin, nous contredis Rachel Saint-Fort à Cafrenel Toussaint. Cinquième recensement général population à Kaimounrété a permis que bon j'ai information, mon fait confiance, qui bat précision sous caractéristiques population, façon mon à vivre, qui est disponible pour permettre décider ou prendre décision pour préparer, suivre et puis évaluer programme de développement pour tout pays, d'après responsable HSIO. Directeur enquête nationale à 5e recensement, Daniel Milbin, expliqué qu'on est à un niveau institution, il y a évalué un recensement pilote qui a déjà réalisé pendant l'année dans le département Grand-Anse, la Tibonite, Nord-Ouest et l'Ouest, pour porter correction dans logistique, formation, questionnaire. Le recensement pilote, là, c'est la dernière étape dans la phase préparatoire du recensement général. Là. Parce que le recensement pilote, là, c'est une sorte de simulation de toute activité qui pourra le faire réellement lors du dénombrement général. Donc dans le recensement pilote là, nous pourrons le tester et nous tester toute phase opération ça. Depuis méthodologie, recensement, organisation, recensement, comment le pral fait sur le terrain, outils de travail que nous pral exécuter, nous pral travail sur yon, application que nous pral développer yon, nous pral voir comment application ça yon, et yon tenu yon, comment yon agit sur le terrain. Formation que nous bail agent nous yon, est-ce que formation ça te répond réellement à réalité ya? D'après témoignage directeur Daniel Milbin, pour 5e recensement général population, il a utilisé les outils numériques pour plus assurance dans la qualité de données. Il y a en termes d'innovation, il y a trois éléments essentiels dans le 5e recensement. Ça. Premièrement, assurance qualité. Deuxièmement, dans l'élaboration questionnaire, nous prenons en compte les spécificités du genre. Et troisièmement, et nous baser questionnaire noir sur une recommandation des Nations Unies d'une part, mais également des méthodologies qui développées dans le sens qui a permis nous mesurer mobilité de la population, fonctionnement individuel
Puis loin responsable a fait connait que plusieurs milliers monde cap mobiliser dans cadre réalisation 5e recensement général là pendant les préciser que formation cap fait pour tout monde ça yo. On a gagné près de 15 000 agents recenseurs lors du recensement général. On a gagné 3 600 superviseurs de district lors du recensement général. Donc on a gagné 24 responsables départemental, mais on a gagné près de 300 à peu près 300 responsables communal, parce que il y a des communes que n'a bien 2-3 monde la donné comme responsable parce que communes ça trop grand. Responsable demander participation, collaboration population tout secteur dans vie nationale là pour faciliter bon déroulement activité yo. Recensement population c'est ça fait nous tout en poté coller. On va l'observer en l'autre pause dans le journal là, pas débranché, n'a tourné. Avant nous aller, mes pigots points ont été développés pour président Sénat Joseph Lambert ak président Chambre députée à Gary Baudot recevoir mercredi 14 novembre. Ambassadeur américain en Haïti, Michel Jeanne Cizon, sous plusieurs points qui concernent les relations de pays. Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie aussi présenté mercredi 14 novembre dans Pétionville. Bilan diverses réalisations au Parlement haïtien pendant deux sessions ordinaires. Année législative 2018 là. Direction départementale l'Ouest travaux publics mobiliser plusieurs matériels cap travail la journée ou la nuit dans l'idée pour finir à construction route Malpasse fonds parisien qui commençait depuis des mois. C'est 9,7 km route qui gagne pour construire dans cadre de caravane changement. Institut haïtien statistique et informatique à Paris pour réaliser 5e recensement général population à Kaimoun Rété. D'après responsable IHSIO, activité SADO est faite dans le premier trimestre année 2019. Là. Commission Affaires étrangères, Chambre députée à Chita Palais, mercredi 14 novembre, avec ministre Affaires étrangères à Bouchit Edmond, dossier réforme à quantité moun cap travail dans mission diplomatique. Yo, c'est quelques points qui t'es dans mi-temps rencontre là. C'est là, n'a pas mis ton bout dans le journal là. Toute équipe là, t'es répondre présent pour porter le pour vous. N'a pas souhaité tout le monde une bonne nuit.